syndicat national policier haïtien au Sinapora qui félicite décision gouvernement prend à travers un arrêté mardi 23 avril 2024 là qui modifie arrêté 20 juin 2013 là concernant statut particulier personnel la police là à plan carrière dans mitan institution hein. Lionel Lazare encourage recommandement la police là pour le travail plus toujours pour encourager policiers au cap servi pays à malgré situation difficile il a fait face n'a arrêté ça il prévoit policiers retraités habillés bénéficier quelques privilèges spéciaux tant qu'il y a une prime séparation service qui égale à 36 mois dernier salaire comme policier coordonnateur général Sinapora qui dit lui continuer travail pour un plus bon bien-être policier yo souhaite conseil présidentiel transition by priorité à institution si là en côté responsable Sinapora Lionel Lazare dans micro Caraïbes FM syndicat national policier haïtien Sinapora nous prend acte et nous félicite tout décision qui prend côté que gon arrêté qui sorti dans ça qui gagne pour avec plan de retraite au niveau de la police nationale d'Haïti. C'est un bagage qui te pose un paquet de problèmes. Yon policier après 25 ans, 26 ans, 28 ans, 29 ans, la police a pas gagné 29 ans là, qui donc pour le point de retraite li, qui donc qui ça qui réservé pour lui. Eh bien, nous songeons que dans le mois de mars 2022, Sinapora a été invité pour nous travailler, pour te font présentation à plusieurs unités spécialisées, toutes grades confondues dans la direction générale de la police là, pour te présenter, pour te font présentation pour de arrêter ça qui t'a de sorti, dans ça qui vient pour avec indemnisation, l'on policier victime de l'exercice fonction, mais qui ça l'État prend en charge pour lui, et puis tout, travaille tout sous question retraite en dans la police là. En deux ans après, nous voyons que arrêter ça, les vins sortis. Je pensais que c'est un bon bagage pour les policiers. Jodi à la, policier a connu que s'il prend retraite, li, mais qui ça que la bénéficie comme avantage. Selon ça, nous avons arrêté, par exemple, dans l'article 77-3, il dit que les policiers allaient à partir à la retraite, la recevoir une prime de séparation qui est évaluée à 36 mois de salaire brûlé. Donc, je pense que ça va permettre que les policiers, pendant que les retraite, ils réalisent un bagage ensemble avec lui. Et puis, tout, nous voyons que y a des amas de policiers qui ont prêté dans la main. C'est un bon bagage parce que on est pas ou tes policiers ou viennent prendre retraite, il faut un bon bagage quand même pour capable de défendre. Il y a un cadre spécial qui a bail policiers qui ont un cadre de retraité. Et puis tout, la vareuse qui a l'autre insigne sous lui qui dit que ça sont policiers qui retraités. Bon, c'est que c'est un bon bagage. C'est un bon bagage, c'est à féliciter. Et même j'en ai toujours qu'on fait au niveau Sinapora. Tout ça qui a un rapport avec bien-être policier, tout ça qui a pour avec des bagages qui n'ont intérêt policier, nous encourager, nous féliciter. N'a pas demandé plus toujours qui pour faire pour policiers parce que gon paquet de bagages que policiers ont besoin et yo pas joindre nous encourager au commandement la police là pour continuer travailler dans ça qui gain pour avec bien-être policiers parce que gon pile monde qui c'est pas seulement mener opération c'est pas seulement faire intervention qui gagne dans l'institution mais que côté administration en tout faut que les gérer et ça fait que nous même au niveau Sinapora nous encourager travail ça que nous t'ai participé là-dedans pour t'ai fait là. Nous était quoi que gain l'autre travail qui doit faire encore parce que question assurance policier faut que ça résoudre parce que pas ca on policier pas ca il y a pon comme sous lit chaque mois et puis tout là l'hôpital la petite là avec madame ni les réveil ou dit que yo pas recevoir carte assurance ça parce que au Fatma pas payé pour yo même quoi que ce problème ça doit résoudre gon paquet de policiers qui quitter caillou bandit fait quitter caillou et bien je dis là faut que l'état garde comment tu es capable accompagner police ça comment tu es capable aider et police ça nous réjouis en pile au niveau Sinapora pour arrêter ça et qui sorti à qui plus ou moins mettez police en confiance les la prend retraite li pour le dire bon mais qui ça qui réservé pour lui l'autre bas encore c'est que qui doit résoudre dans l'institution, c'est peut-être garder comment nous sommes capables de régulariser et un ensemble de barrières qui passent dans l'institution policière. Par exemple, question de grade là.
parce que ça lie extrêmement important qu'a mettre la police là non stabilité. Donc nous même au niveau Sénapoa, nous croyons que l'important pour nous continuer bataille, pour nous continuer travail pour bien-être policier pendant que n'a protéger institution en tout parce que nous pas cap travailler en tant que syndicaliste et puis tout pour n'a pas institution. N'a toujours dénoncé ça gain pour nous dénoncer, n'a toujours mandé que ça que nous devons demander et pour dans ça qui gain pour avec bien-être et policiers parce que gon paquet pays policiers c'est un paquet cob yo touché mais gon ensemble des avantages que yo joine pour tête yo pour petite yo pour madame yo ça rend que policier a pas gain trop problème son bataille comme ça n'a fait son travail comme ça que n'a fait au niveau Sénapoa c'est pas sans raison qui fait que jodi a la gon conseil présidentiel qui monté nous vraiment souhaiter que yo en fait garder la police là on l'autre façon garder policier on l'autre façon parce que journée jodi a la moun n'a dit qui pour garantir sécurité yo policier n'a mandé que pour travail yo faut nous voyez garder faut nous garder dans qui état que y a vivre faut nous garder dans qui condition que commissariat yo faut nous garder est-ce que y a gain matériel est-ce que y a gain moyen ça fait que nous même au niveau Sénapoa travaillons X que nous t'ai fait nous prend acte d'installation conseil là et nous mandé pour bay priorité à la police nationale d'Haïti.